Voilà. Ok, je suis là. Les 73 à toi, Stéphane. Ah, voilà, je viens juste de la démarrer à l'instant. Ce que j'avais fait tout à l'heure, je l'ai effacé pour le coup. Ah, pourquoi ça? À l'époque, c'était pas correct, ça te convenait pas, c'était pas comme il faut. T'es le premier arrivé. Hachi, voilà, s'il m'a semblé entendre Angèle, c'était très QRP, j'ai un petit peu de QRM, je lui ai répondu, mais bon, visiblement, il m'a pas entendu, quoi. Ah, je sais pas, moi j'étais dehors en train de sortir les chiens, hein. J'étais dehors en train de sortir les chiens, j'étais arrivé à l'instant, j'étais venu faire un tour pour éteindre la station, non, j'étais en train de sortir les chiens, moi. Ok, tiens, là je suis avec le mon nouveau micro, là, le Oro CB, je sais plus quoi là. Il faut que j'aille voir ça en vitesse. Qu'est-ce que ça donne de ton côté là par rapport au micro d'origine? Bah franchement, il n'y a pas trop de différence, hein. D'ailleurs j'ai cru que c'était avec le micro d'origine. Je vois pas vraiment la différence, c'est un petit peu plus. Comment expliquer ça? C'est un tout petit peu moins aigu, mais. Il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Je sais pas, peut-être que tu peux faire des réglages, j'en sais rien. Alors là, je suis avec le micro d'origine. Donc, ok, voilà, là j'ai remis le micro d'origine, tu vois ce que ça donne. Là, mais disons que l'autre, il faut peut-être que je le pousse un petit peu plus. Là, au niveau réglage, il est qu'à 1,5. Hein. Donc là, ok, micro d'origine, je vais rebrancher l'autre. Je sais pas, tout à l'heure c'était avec l'Eurotivi, c'est ça? J'arrive. Je vois pas vraiment la différence, hein. Faut vraiment être pointillé pour l'avoir. Ok, voilà, là je l'ai poussé un petit peu plus, là je l'ai poussé à 2 là ce coup-ci. Ah ouais, ça percute un peu plus, ouais. Ok, et là je suis carrément à 10. Putain, pourtant j'ai fait aucun bruit. Ah si, bon, tu vois là, il. Ok. J'hésitais à le monter à 2, tu vois, là il était à 1,5, j'hésitais à passer à 2. Donc quand je suis à 1,5, ça revient les pignons à l'autre micro alors. Ouais, c'est trouver un compromis entre le 1,5 et 2, je sais pas, 3 quarts quoi, comme on dit, c'est pas évident. Hein. Pourquoi? Là, à ce moment, là, à la seconde, là, je suis à 2, là, maintenant. Et ça te paraît trop fort? Non, c'est impeccable, non, touche pas. Moi, de mon côté, c'est bon, hein. Moi, je suis assez loin de toi. Et perso, ça va, hein. C'est correct, hein. Y a rien à dire. Ok, pourtant, là, je vois, là, au niveau du signal, j'ai le ventilateur du poste et, ou de la lime. Là qui passe un petit peu dedans là quand j'arrête de parler. Attends, j'ai fait un petit blanc sans relâcher le micro. Ouais, j'ai presque Santiago, j'ai un Santiago 2-3 là, tu vois, là de bruit là qui passe dans le micro. Ouais, t'as de la HF, qui passe dans le haut-parleur, ça me fait pareil moi aussi. Moi j'ai éloigné un peu le haut-parleur. Non, pour moi c'est correct, hein. Pour moi, perso, et si t'écoutes avec le. Ah non, aucune, c'est propre, net, non, y'a rien. Bah, je sais pas, y'a un jeu qui dit j'ai découvert, c'est possible, hein. Bah, c'est tout à fait possible, parce que c'est une merde, hein. Je peux avoir un cordon qui merde aussi, ça peut arriver, hein. J'ai eu des problèmes, ça veut dire, hein. J'ai eu des problèmes, pas sur le TX, pas sur le micro, sur autre chose, et j'ai résolu, ça peut arriver, j'ai des problèmes. Bah, Angèle, t'entends pas.
Mademoiselle. C'est très compliqué, hein. En plus, là, j'ai pas le casque sur les oreilles. Je pense que ouais, je vais l'attraper. En direct, non, c'est vraiment. C'est pas grave, ça s'est tombé. En direct, là, non, c'est. Je l'entends gazouiller derrière, mais c'est tout, hein, c'est tout ce qui passe. J'ai branché. Ah, j'entends quelque chose derrière, c'est le web SDR. J'ai branché l'oreillette là. Donc là, c'est bon, j'entends tout le monde. Ah, ça y est, il entend tout le monde, c'est impeccable. Ouais, c'est pratique le web SDR, en vrai, ça sert comme ça. Hein. Moi, j'en ai pas besoin, ça va. J'avoue que j'en ai pas besoin, moi, ça va. C'est impeccable. Je vois ton antenne, moi je la vois assez souvent ton antenne quand je passe devant, quand je rentre du boulot, quand je vais au boulot, putain, les diables cassés, les diables du net. Bon, on dirait que t'as la colline qui est, par rapport à moi, elle est devant, tu vas aller à ta droite. Quand tu sors sur ton perron en haut, elle est à ta droite, il y a une espèce, moi j'appelle ça une gorge, je vais te parler, une espèce de couloir, tu vois, du côté de, en gros, et du bon, ça fait Lyon. C'est marrant, ça n'arrive pas à passer. Bon, c'est bizarre, parce qu'en plus, Rémi, avec le matos qu'il a, il y a celui qu'il a, l'antenne qu'il a, il va au moins arriver à décoller, parce que. Bon, ça va pas être du téléphone, mais bon, c'est comme quoi des fois il faut pas grand chose, hein, c'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, c'est un peu en casse-pied, comment dire. On parle poliment, c'est casse-pied, mais bon, c'est comme ça. Chez moi, hein. Ça me fait des coupures, c'est la connexion, c'est sa connexion internet, moi ça c'est pareil. Quand je me mets sur l'ordinateur, j'ai Windows sur l'ordinateur à la manger, si je me fous dessus sur le WebSDR et que j'ouvre une autre page à côté, et ben ça me fout des coupures au niveau du son, au niveau WebSDR. Ouais, ça c'est l'ordi, c'est la carte son ou voilà, mais ça me fait pareil sur l'ordinateur moi aussi. Retour. Ok, tiens, j'ai récupéré là, du matériel là aujourd'hui. Hein. J'ai récupéré, alors il y a quoi? Il y a 13 postes en tout. Hachi, c'est pour ça que tu m'as entendu pas loin de chez toi. Hein. Voilà, c'est là où j'étais tout à l'heure. Et là, je savais pas trop ce que j'allais récupérer. Putain la vache, 13 postes. Alors, attends, il y a quoi? Parce que là, pour le coup, j'ai pris la photo.
Il y a 1, 2, 3, 4 JFK. Il y a 2 3009, 1 3300, 2 Jackson et 4 portables. Ouais, c'est bien ça, c'est le classique, le façade grise. Voilà, tu as que l'affichage des canaux. C'est tout ce que tu as dessus. Après, tout ça, bon, je m'amuserai à le tester et tout ça, là, pour voir un petit peu là, ce que, si ça fonctionne déjà. J'ai récupéré deux petites antennes aussi avec, c'est des Wilson, je crois. Donc, je m'amuserai à l'occasion à tester tout ça. Et il y a aussi là, deux autres trucs que j'ai récupéré avec. Tu verras la photo, enfin j'ai pris une photo de tout ça, tu verras ça sur internet. Ouais, ok, mais je crois que je l'ai vu la photo, tu l'as pas mis tout à l'heure. Attends, c'est pas de conneries. Si, je l'ai vu la photo, mais t'en as mis tout à l'heure. Voilà, c'est ça, de tout le paquet là, pris en photo sur une table. Oui, quand tu branches, alors ça dépend. J'ai entendu parler derrière. Ah non, c'est moi. Hachi. Alors, ça dépend. Si tu branches le fréquence-mètre à l'intérieur ou par la prise jack qui est sur certains postes, là, tu as la fréquence en émission-réception. Si tu branches le fréquence-mètre directement sur la ligne coaxiale, là, tu as la fréquence uniquement en émission. Ouais. Ah, mais
c'est bien ça, ouais. Bah, mon père, il a masqué ça, ça a dû durer même pas 3 jours, le navire est con. Du coup, c'est Isabelle qui a ramené les Jackson, il avait plein de Lincoln à l'époque. Mais bon, après, c'est vrai, moi, je suis habitué aux fréquences. Hein. Moi, de la M, j'en ai fait aussi, comme tout, moi, j'en fais encore, j'en ai fait cet après-midi. J'ai contacté quelqu'un qui peut-être derrière la porte, enfin, je sais d'ailleurs que je ne connaissais pas, l'opérateur Joël. Il m'a dit son QTH, mais je ne m'en rappelle plus, je l'ai chopé en FM sur le 400, ouais, 27-405. Il y avait des Allemands qui étaient en FM, qui parlaient 59 UDB, j'ai dit qu'ils m'ont reconnu. Et il y a un opérateur GL du département qui m'a répondu, qui m'a arrivé aussi fort. Il m'a dit son QTH, mais je ne m'en rappelle plus. Voilà. Peut-être que tu connais toi Rémi, à mon avis, tu dois le connaître. Voilà, Rémi, retour. Quand je t'écoute, je devrais sortir l'oreillette parce que là, ça m'a fait une espèce de cacophonie, j'ai rien compris. Si, reviens-moi, s'il te plaît. Ouais, tu connais pas l'opérateur Joël dans le coin, qui est sur le département de la Gironde. J'ai chopé en FM, ça me dit, il m'a breaké, discute avec des Allemands, voilà, à moitié allemand, moitié français, moitié anglais, tu m'as compris. Et il y a un opérateur Joël qui m'a breaké, j'ai jamais entendu en BLU dans le coin, peut-être que tu connais, toi. Joël. Joël. Il t'a pas donné son QRZ, je sais pas, je me souviens plus de son prénom, mais le premier que je vois là, ça serait la belette, c'est pas ça? Moi je sais pas. Je dirais une connerie, il m'a dit qu'il était sur le cul, là j'étais dans un peu plus de QTH, exact, il m'arrivait à la fusion, il arrivait très fort. Je l'ai jamais entendu sur le triple 5 quand c'est appel. Bon, c'est pas grave, ça va revenir. Il m'a donné le QTH, c'était grand bas, je crois que côté c'est ça, je suis pas sûr, bon bah c'est pas grave. La nuit pour te conseil, comme on dit, peut-être que ça me reviendra demain. Voilà, retour Angèle. Hé, hey, la fois que je suis passé à côté de toi, je t'ai vu sortir chez toi. J'ai posé, je sortais avec un véhicule blanc, voilà, blanc, je dirais pas ce qui est marqué sur les portes, c'est, je dirais pas, je suis passé contre moi, un véhicule blanc de marque Renault, voilà, qui sortait du portail. Ah, ok, bah tu vois, comme quoi, ouais, je sais plus qui j'ai été, je sais pas, ça, il y a au moins, il y a bien 3 semaines, hein. Ouais, il y a bien 3 semaines, tiens, bon, j'ai posé, j'ai posé, mais peut-être qu'il y a autre chose, voilà. Donc, pour revenir à l'opérateur, ouais, c'est l'opérateur Joël, il m'a dit les QTH, bon, c'est pas grave. C'est chiant quand tu essaies de te rappeler quelque chose que tu t'en rappelles pas. La bosse est sortie, le cerveau sur les côtés, tu n'y arrives pas. Hein. Voilà. Bon, à part ça, et ton collègue, là, ton collègue, je sais pas si c'est ton collègue, mais l'opérateur Philippe, qui avait, entre parenthèses, qui avait un problème de pied, là, on l'entend pas en fréquence, il gratifie pas en ce moment. Pendant ce temps-là, justement, là, j'étais en train de faire quelques petites recherches sur le reste du matériel. Ah, je vais avoir des trucs à tester. J'en dis pas plus. Tu verras sur la photo, carrément en bas de la pile.
Il y a quelque chose qui m'interpelle, surtout dans les deux appareils qui sont en bas, celui-là que tu verras en bas à droite. Je viens de regarder un petit peu la fiche là, sur Internet. Oui. je vais avoir des petits tests à faire. Ouais. Ah, bah, t'avais raison. Bon, c'est sympathique de leur part d'avoir pensé à toi. Voilà, au moins, ça servira à quelque chose. Allez, 73, Rémi, bonne soirée, bonne fin de QSO. Très content d'avoir discuté avec toi. Et avec Angèle. 73 Angèle, bon chiffre à toi, bon chiffre à madame qui est à côté, si elle écoute. Et quand tu auras ton collègue Philippe, tu enverras les bons chiffres à l'opérateur Stéphane sur 13. 73 tous les deux et 73 aux stations qui écoutent. Ciao, retour Angèle. Ok, merci pour le retour de micro, les bonnes 73-51 à vous deux, merci pour le QSO, comme quoi on a quand même pu le faire, ce QSO du canal 27, à Chi, parce que c'est vrai qu'en plus, avec la propagée là, comme là en ce moment, là, comme on a entendu là tout à l'heure, il est logique que les stations préfèrent aller profiter du DX plutôt que du local. Le local, on le fait le restant de l'année, à Chi trois coups. Les bonnes 73-51 à vous deux, merci, bye bye. Bye bye. Ok, bye bye. Oui, en avant le break. Ok, les 73 retournés. Les 73 retournés. Je passe en QRT. Parce que là, je t'entends pas. J'ai du mal à te sortir. Même si le web SDR, c'est moyen. Et voilà. Ok, bye bye. Ouais, on se surmodule. Là, ça passe pas correctement. Ok, merci. Bye bye. Zut. Il y a une demi-heure était là la propague. Thank you.
Bon, il y a encore un petit filet de propag. Attention, Fréton, s'appelle DX, attention, le Division 14, ici le Division 35, ici 35 Lumière Radio, 184 pour le Division 14. Attention, France, attention, le Division 14, ici le Division 35, QSY27500. Attention à la division 35, attention à la division 35 pour le sud-ouest de la division 14. Les bottes sont 13 à vous de 14 km, 33-01, opérateur Rémi. Non, je crois qu'il a attrapé quelqu'un d'autre.